La pièce se joue tous les jours à guichet ouvert. Sept jours sur 7, 24 heures sur 24. Le public est assidu, varié, renouvelé, exigeant. Il ne manque pas un rendez-vous. Et il n'est pas question de refuser du monde. Tous les interprètes s'efforcent de répondre à son attente. Sécurité. Exactitude. Vitesse. Confort. Il ne néglige rien pour le retenir et le renouveler. Se surpasser, l'heure est tout naturelle. Mais il n'y a pas de spectacle sans théâtre, pas de spectacle sans décor, pas de spectacle sans machiniste. Invisible pendant la représentation, c'est quand la scène est vide, avant le lever du rideau, que les hommes de l'équipement sortent des coulisses. On sait qu'un train peut en cacher un autre. Mais on ignore, derrière chaque train qui roule, derrière chaque spectacle bien rodé, combien d'hommes il a fallu pour concevoir, dessiner, contrôler, construire, entretenir, réparer. Agents des voies, câbliers, dessinateurs, électriciens, géologues, spécialistes en télécommunications, soudeurs, ajusteurs. Ils sont plus de 47 000. Pour tout spectacle, il faut une scène et des décors, et naturellement des ateliers de construction. 15 millions de mètres carrés couverts, 2880 gares. Un patrimoine dont il faut assurer l'entretien et préparer la rénovation. ...3000 km de voies autorise des vitesses égales ou supérieures à 200 km/h. Ici, scènes et décors seront bâtis en dur. Ils résisteront à toutes les contraintes. ...1450 tunnels, 80 000 ponts rails. Il y a le côté cour et le côté jardin. Le respect de l'environnement est inscrit au budget de chaque chantier. Les délais seront tenus. Les rails soudés, c'est plus de 30 000 km de voies. Traverse en béton armé, déjà 19 000 km de voies. Ici, il n'y a que de bonnes places. ...13 000 km de lignes électrifiées. Au
autre loi fondamentale du spectacle, la performance n'a de sens que si elle peut être répétée tous les jours avec la même perfection. Pour libérer la puissance de cette machine, il a fallu mettre en place une organisation minutieuse, tisser une toile aux mailles serrées, tester chacune de celles-ci, répéter chaque manœuvre jusqu'à la perfection. Près de 9000 km de voies sont maintenant équipées en système radio-sol-train. Câble souterrain, près de 19000 km. ...2400 postes d'aiguillage. Alors, on lève le rideau ? Attendez. Il y a aussi 12 000 passages à niveau automatisés. Pas de spectacle sans filet. Le spectacle ne peut pas s'arrêter. C'est à chaque instant qu'il faut surveiller toutes les mailles du filet, les resserrer ou les renforcer. Il faut visiter, ausculter, entretenir, réparer parfois. Plus de 200 métiers différents. À pied et en voiture. Des voitures mobiles sillonnent tout le réseau. Elles contrôlent caténaires, signalisation et voies. Ici, c'est quand les interprètes sont les meilleurs que le public s'endort. Et lui seulement. Pas de relâche pour les hommes de l'équipement. Soirée ou matinée, le public n'attendra pas.